Compatriotes haïtiens frères et comment nous y est? M'espérez en forme, n'a pas bien. Jeudi, c'est jeudi, 7 novembre 2024. Nous comptons rentrer la caillou comme d'habitude. Nous là pour nous parler pays, pour nous brasser l'idée sous tout petit détail important qui a dominé l'actualité. 40 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, en pile question à poser, côté stabilité et sécurité, opposition André Michel, opposition Don Kato, opposition Nenel Kassi, Steven Benoit, tout l'autre acolyte li yo te promet peuple haïtien. Kote yo te fè konnen si Jovenel Moïse kite pouvoir, si Jovenel Moïse bay talol, eh bien nous pral gen yon Haïti tout neuf. Nous pral gen Haïti sans kidnapping. Nous pral gen Haïti sans insécurité, nous pral gen Haïti qui stable. Compatriotes haïtiens frèchèm, haïtien c'est un peuple qui remet prend anana pour 6 ans. En pile haïtien toujours croit dans bel discours, en pile haïtien toujours croit dans belle promesse. Et c'est dans sens ça nous tomber dans la première transition avec Ariel Henry et nous dans la deuxième transition et si pas gain rien qui fait nous sur route pour nous tomber dans une troisième transition. Le conseil présidentiel transition avec le premier ministre Gary Conin, bagay yo pas bon même. Bouche pas goût, pas gagné aucune décision politique qui ka prend dans moment n'a parlé puisque Gary Conin lui-même dans correspondance li voye ba CPTA li clair sous position là. Seul ça qui a débloqué la crise, c'est retirer, c'est écarter trois conseillers présidents qui impliqués dans le scandale BNCA. Je dis en même, conseil présidentiel transition pour réunir à Gary Conin sous demande grand corps diplomatique qui décide de jouer rôle arbitre, qui décide de jouer rôle médiateur. Compatriote haïtien frèchèm, m'pa kwè c'est pour ça de Saline te goumè. M'pa kwè c'est pour ça zansèt nou yo qui te bataille, qui te défié pi gwo l'armée. À l'époque esclavage, l'armée française, m'pa kwè c'est pour ça yo te bataille, pour yo te kite un petit bout de terre pour décision politique, pour ces blancs k'ap vinn pran, pour ces étrangers k'ap vinn fourer bouche. Nan question pays. Nous pral ba ou détail yo puisque déjà là équipe premier ministre Gary Conin a chauffé terrain. CPTA dit pa gen fait bac, vle pa vle, wè pa wè, faut gen remaniement ministériel là qui fait. Yon l'autre bon nous gagné Guy Philippe ak Frey, force révolutionnaire d'entente nationale qui voyait une lettre tout l'ouvri qui adressait un message tout l'ouvri by président élu américain Donald Trump. Qui ça qui dit non document ça qui ça qui écrit dans message là nous pral baou détail yo. Yon lot bo gen pile tension c'est vrai dans question politique là. Mais tout bagay clair, route la tracé déjà, pas gen route pas bois. Conseil président qui impliqué dans scandale BNZA, y a tombé et y a tombé mal. Nèg yo pral fini mal, yo pral fini très laide. Nous pral permettre tout temps de yo intervention. Et dans intervention si là, yo pral expliquer on a bon ti mamite qui ça qui risque arriver avec trois conseillers présidents. Gen pile haïtien qui bat gros bravo la contentement comme c'est le cas et pour ancien sénateur Guy Philippe qui rete quoi victoire Donald Trump là li capoter yon bagay en plus pour peuple haïtien pour pays d'Haïti. Eh bien c'est pas tout le monde qui gagne même vision ça. Lodi États-Unis ou pas parler de républicain ou pas parler de démocrate ou parler de un pays qui défend propre intérêt yo. Kap defon sa ki bon pou yo. Non ki sa, victoire Donald Trump lan, Jean-Guy Philippe di lan, li kapote yon bagay en plus pou peuple haïtien. Nou pral genye tout pou nou ba ou kek detay nan
question si là. Déjà m'abdou bienvenue ou sous Tax 509 tout haïtien connecté. Dans l'émission Mon éditorial avec Yannick, nous pral gagner pour nous faire le tour de toutes questions si là qui posait pour nous ba ou yon réponse qui très adaptée pour aider ou pique comprendre plus bien ça qui a passé sous scène politique là et en dedans pays en tant qu'on international là qui a gagné gros répercussions qui a gagné bon genre conséquences sous pays d'Haïti à tout peuple haïtien. Yon l'autre fois m'abdou bienvenue nous pral parler pays nous pral brasser l'idée ensemble. Jodi an ki se 7 novembre 2024, li marke exactement 40 mois. 40 mois depuis a tout fait effet, nèg ka fè politique dans la coupe pays d'Haïti, mélanger maré code saucisse avec et oligarque corrompu dans secteur privé, maré code saucisse avec joine international là yo mettait ensemble dié yo mettait ensemble mercenaires colombiens yo atterri dans la coupe pays d'Haïti yo assassiné un président t'est élu yo président peuple t'est voté yo président malgré c'est dans fin mandat qui t'a fait tout ça capable non seulement pour le mettre l'armée d'Haïti campé mais tout pour te arriver joindre moun qui puis faible moun qui lagué pour koyo a moun sa yo ki tap tann yon réponse nan men président Jovenel Moïse. Li pa un secret pou personne moun, nous tout konnen jan yo touye président, jan yo krasé tout zone encore président Jovenel Moïse, jan yo kase bral, jan yo pété gel, jan yo souye dignité, jan yo humilié. Et même après l'amol, même équipe lan, même groupe moun yo, même système nan yo ap cherché des tuiles post-mortem, sale magie, sale au paquet de bataille, au paquet de réalisation que l'te fait. Nous connaissons ça déjà. Mais je dis en là, nous gagnons et yon émission extrêmement intéressant, nous pral le faire ensemble. Et nous gagnons intervention, hier Guy Philippe, ancien sénateur, l'te fait une intervention qui est extrêmement intéressant. Nous pral gagner pour nous partager ensemble avec vous mais et tout d'abord gagner yon correspondance que et Guy Philippe Frein adressé avec Donald Trump m'pral permettre nous garder ensemble avec moi qui ça qui dit non et dans document si là dans message ça que vous voyez bail et président américain. Force révolutionnaire d'entente nationale, Port-au-Prince, le 6 novembre 2024, message de félicitations à l'attention du président élu, Donald Trump. Monsieur le président élu, la force révolutionnaire d'entente nationale, Frein, tient à vous féliciter chaleureusement, ainsi que votre équipe, pour votre récente victoire aux élections présidentielles américaines du 5 novembre 2024. Cette victoire marque un moment important pour les États-Unis et nous saluons la confiance que le peuple américain vous a témoignée en choisissant la voie de la stabilité et de l'alternance démocratique. Nous exprimons l'espoir sincère que votre mandat inaugurera une nouvelle ère de coopération respectueuse et mutuelle et mutuellement bénéfique entre les États-Unis d'Amérique et la République d'Haïti. Dans cet esprit, Frein souhaite voir émerger un partenariat gagnant-gagnant où la souveraineté des deux nations sera pleinement respectée. Nous aspirons à des relations basées sur la fraternité entre nos deux peuples. Exemple de toute forme de soumission. En tant que mouvement patriotique engagé pour le renouveau de notre pays, nous croyons qu'une collaboration constructive sous votre administration pourrait permettre à Haïti de trouver des solutions aux défis sociopolitiques actuels et d'offrir à nos compatriotes de meilleures perspectives. Que cette nouvelle page de l'histoire entre nos deux nations soit marquée par une coopération et sincère, juste et équitable au bénéfice de nos peuples respectifs. Recevez, Monsieur le Président élu, nos félicitations renouvelées et l'expression de notre haute considération.
pour frein, ingénieur Joiseus Nader, coordonnateur adjoint de frein. Voilà, c'est structure politique frein qui c'est plateforme politique Guy Philippe et Messaza, c'est Nader Joiseus qui lui-même qui signe côté yo adressé yo message de félicitation et by Donald Trump côté que yo quoi et élection victoire Donald Trump là pral marquer un tournant décisif suite avec alternance politique qui gen là alternance démocratique là démocratie yo aller républicain yo vini pral gen coopération gagnant gagnant avec Haïti etc. Je vous souhaite pour nous tout ça qui dit non et correspondance, tout ça qui dit. Cependant, hier, ancien sénateur Guy Philippe, il était réagi, il était dans la position claire. Dans ça qui est pour vous avec la question victoire Donald Trump. Là. Et Guy Philippe lui pose problème immigration, côté que lui fait qu'on est Donald Trump. Pas déporter haïtien yo konsa pour le fond déportation massive Jean République Dominicaine a fait. L'on gen des conseils que li avancé, mais dans l'intervention Guy Philippe là, gon point qui est extrêmement important. Gon point qui est extrêmement important. Pas oublier que 20 janvier 2025 Donald Trump a investi de fonction li. Et jusqu'à présent en Haïti, nous gagnons conseil présidentiel transition, c'est eux même qui sont censés légal malgré yo pa gen légitimité, oui, mais c'est eux même qui sont censés légal. Et si c'est eux qui légal, si gagnent yon rencontre, si gagnent négociation, si gagnent des pourparlers qu'a fait. Jusqu'à présent, c'est eux qui légal, c'est eux qui représentent peuple haïtien, c'est avec yo tout chita parler, tout dialogue à première vue ta doit fait. Est-ce que Guy Philippe gon coup de guidon? Li gen gon dernier zèl 4, li gen nan mèl pou jouer. Ki ka abouti, ki ka atterri avec yon troisième transition bien équipe Guy Philippe là, li prend pouvoir. Eh bien Guy Philippe hier dans intervention là, li fait une déclaration extrêmement importante et à la fois sensible. Et m pral permettre nous tande li et là nous fin retande ensemble avec moi de la étant n'a pas brassé l'idée sous intervention si là. On va entendre ensemble. On pense d'abord et victoire et président Trump, c'est censé une bonne nouvelle pour Haïti. Franchement, on pense la bonne nouvelle pour Haïti. Une bonne nouvelle pour Haïti. Parce malgré tout ça, mon pense que Donald Trump raciste, il va cap voyer Haïti en tout cas. Ça son menti son bluff. Ça ils ont discours électoral de politique de besoin gain, il fait tout ça le faire là. Car raciste tout monde, car raciste tout. Mais moi connais que pas cap déporter tout haïtien, vrai c'est pas vrai. Bien entendu qu'il y a un monde qui pas puis en règle. C'est metto à couvrir parce que si aucun beau ou pas en règle, là yo cap déporter. Mais si mon yo autorisation légale pour sous territoire américain, yo pas cap déporter. D'ailleurs, États-Unis besoin yo. Conseil de travail c'est haïtien qui fait. Conseil de travail c'est immigrant ça qui fait. Donc même moun qui bat pop Trump, yo pas accepter que Trump font déportation en masse de travailleurs ça. Donc moi c'est que tout ça c'est bagaille campagne, yo pas capable déporter tout haïtien. Donc moi même d'ab dit haïtien, c'est ça que me dit haïtien tout dernièrement sous question élection ça, pi gagne voter avec émotion. Pi gagne voter avec émotion, on nous négocier vote nous, le c'est États-Unis d'Amérique élection a fait. Parce que c'est très important pour la communauté haïtienne et pour le pays d'Haïti. Si nous regardons tout mal que Haïti subit dans les derniers 40 ans, c'est démocrate qui fait tout gros mal. Si nous avons été dans les derniers 40 ans, ça, c'est l'administration démocrate qui fait Haïti. C'est eux qui crasent l'armée, c'est eux qui crasent toute institution. C'est eux qui assurent que les gens qui volent les corps de construction Haïti à retourner la caille. Comme qui Petro-Caribe à retourner la caille. C'est eux qui aident, encouragent et assassinent le président Jovenel Moïse. C'est eux qui mettent CPT ça, qui a crasé le pays, a volé le pays, détruit le pays. C'est eux qui prennent tout ça dans le sous-sol. Faire jeune garçon avec jeune femme, des âmes dans les mains, à passer dans les zones, parce qu'ils ont besoin de ça en bataille. Donc, c'est son gros nouvelle pour Haïti que M. Sao tape sous pouvoir très bien. Alors, il y a un capitaine de là, sénateur, qui doit rappeler que Donald Trump est président déjà. Non, il était président en deux. Gardez pour en qui année il était président. Président Jovenel bat mourir, non? Gang yo pot ko gangren, ne bagay la, et kon sa non? Oubliez qui le gang commence à déranger en Haïti, c'est après Village de Dieu. Oubliez qui date. Donc pour montrer que
Je crois que ça c'est nécessairement mauvais bagaille pour Haïti. Nous t'a demandé, nous t'a souhaité que Haïtiens aient contact ça avec nouvelle administration ça pour assurer que je change personnel qui dans l'ambassade américaine depuis trop longtemps. Voilà, depuis 1994, ils rentrent avec 25 000 soldats. Depuis le ça, ils ont empêché Haïti vivre. C'est eux qui mettent la guerre dans le monde entier. Non seulement pense que son bras est la pied pour Haïti, pour le monde là bon. Guerre Ukraine qui était presque mettez nous dans guerre nucléaire. Je pense qu'il va gagner longtemps pour le finir. Problème Israël-Iran, il va le finir. Je pense que le président Trump, je le dis là, il n'a pas jamais fait tout ça. Et les républicains, pas jamais de démocrate qui propose bon papa, c'est au compte tout ça bon pour tout le monde. Haïti s'est même dit, nous ne voulons pas ça, nous ne voulons pas conseil 9 membres. Il a dit, oui, c'est ça bon pour Haïti. Et je dis à Gadna qui est que nous y a là. Je dis à nous qui connaissons que mercenaires Kenya qui là, ils ne pas besoin de l'argent encore bientôt. Ils ne pas besoin de l'argent. Parfois, son administration, tu ne pas bien ça. On suivez la caillou va tourner. Parce que mission a non plus pas bien tourner en mission onusienne. L'argent, ça a eu, c'est nous qui pour essayer de jouer une aide pour aider la police nationale, pour nous renforcer l'armée d'Haïti, BESAP, pour nous bailler peuple nos sécurité et nous cap bailler peuple nos sécurité. C'est caractère intervention, c'est tout le temps besoin de démocratie, au besoin de contrôler toute bagaille qui fait que Haïti, je dis à la, nous prend. Dans le pétré que nous prenons là avec CPT et puis avec un premier ministre, que nous avons battu avec l'autre et Haïti a montré notre tout. Donc, moi-même, ça me devrait dire aujourd'hui, moi-même, je félicite le président Trump et je dis à Haïtiens qui sont aux États-Unis, pas quitter les gens paniqués. Ils n'ont pas capable de tout tourner. Ce n'est pas vrai. Le système a besoin, l'économie des États-Unis a besoin, ils n'ont pas capable de tout tourner. Ils n'ont pas capable de tourner, même si ils ont une autorisation, parce qu'ils ont besoin d'un duel. Donc, c'est ça que je viens pour me dire. Et encore une fois, je félicite le président Trump et m'expliquer que. Il y a suspendu barrière de Haïti parce que nous prenons, non, les républicains ont dit que c'est raciste et les démocrates qui ont même pensé que nous sommes choulio, c'est pour craser le pays, piller le pays tout le temps. Donc, pour même position par là, vous pensez que l'arrivée de Donald Trump, 20 janvier, qui a venu là, a changé de données politiques, surtout en Haïti? Bon, nous, ce n'est pas un nègre qui vraiment aime entrer dans la politique. Nous, nous avons fait des bagages de Paul, nous avons fait des bagages d'éclat, mais il était démocrate, il a toujours bien ça comme habitude, pour penser que c'est aucune de nous, des nos bêtes. C'est au poudou qui j'en pour vivre, qui j'en pour manger, qui est-ce qui pour gouverner, qui est-ce qui corrompu, qui est-ce qui écrasé. Et ils ont fait combien de temps? Il a paniqué avec ça. Il a essayé d'écraser, monsieur, apprendre comment le système ça va bon. Et m'espérer qu'il a corrigé le système ça et la font pas ses mains dans le système ça. Je pense que là, bon pour nous, là, bon pour le monde. Et a fait que l'ambassade américaine vienne à plaider rentrer dans le Haïti, voler, piller depuis 1994, nous espérer qu'il a bon fin. Assister à manœuvre ça ou à bagaille ça. On faut que tu campes là. Guy Philippe Gouba, elle dit qui est extrêmement important. Yo gen bien longtemps y a essayé écraser en parlant de Donald Trump, yo gen bien longtemps y a essayé écraser en parlant de démocratie qui gen pouvoir pendant nous connaît pendant plusieurs années. Gen des poursuites que yo fait contre Donald Trump et Donald Trump li rive élu là lorsque yo condamné aux États-Unis. Donald Trump condamné, il a plus que 30 chefs d'accusation sous dol. Donald Trump condamné États-Unis pour délit. Donald Trump condamné États-Unis pour des infractions criminelles que reproché lui. Côté que il fait fraude fiscale, côté que il était dans bail question et abus de confiance, Donald Trump était dans bail vidéo, bail porno, etc. Tribunal américain, tribunal dans pays États-Unis condamné Donald Trump inculpé pour plusieurs chefs d'accusation. Mais qui ça nous remarque, qui ça nous constate? Hier, on soulevait point dans émission nous fait hier là. Comment États-Unis qui dit, un pays qui dit, lisse papa démocratie, ou regardez, peuple américain retrouvé dans une situation côté que malgré gagner tout chef d'accusation ça, malgré que condamnation sous Donald Trump, mais ou regardez Jean peuple américain, j'ai eu coscolos tête démocratio, j'ai eu Kembe Kamala Harris, j'ai humilié Kamala Harris, Kamala Harris, et wap gade, quantité moun qui vote l'oué, plus que 67 millions américains vote l'oué, mais Kamala Harris, Donald Trump bat Kamala Harris deux fois, li bat li tout côté, li bat li nan vote populaire l'oué, li bat li nan grand électeur. Ça veut dire que le peuple américain, malgré Donald Trump, il est condamné, malgré Donald Trump inculpé, malgré Donald Trump qui a un gros chef d'accusation criminel sous dolé délictuel, le peuple américain dit que c'est lui-même qui a battu Donald Trump. Ce n'est pas sans raison. Non, on regarde Guy Philippe qui vient faire approche ça là. Parce que
en Haïti, nous-mêmes dans la politique noire, depuis après retour Guy Philippe, Guy Philippe montre qu'il y a une velléité politique, lui montre la bataille contre le système, etc. Il y a un peu de monde qui penchait sur statut Guy Philippe. En pile question à poser, est-ce que Guy Philippe, il a capoté tête candidat dans l'élection? Est-ce que Guy Philippe a chance pour lui élu dans l'élection? Est-ce que le peuple a voté Guy Philippe dans l'élection? Ça passe dans le pays États-Unis, je vous dis, là, son problème, son lié. Son signal clair, oui, lié. Son signal clair, lié. Parce que, pas oublier, on parle des États-Unis d'Amérique, on parle de un président qui condamné, qui rive réélu. Joune jodi an la, la kay pa nou, si m pran exemple Guy Philippe, li condamné États-Unis pour question trafic drogue, etc. Mais est-ce que en Haïti, Guy Philippe condamné? Qui tribunal en Haïti condamné Guy Philippe? Qui juge en Haïti qui inculpe Guy Philippe? Ou imagine ou, jouge élection en Haïti si Guy Philippe dit le pral pose candidature li? Si CEP a ta décidé, par exemple, yon a projeté candidature li, bon, se yon konne. Mais après ça fin passe États-Unis, démocratie véritable, c'est peuple qui baye pouvoir vrai. Yon montre c'est peuple qui baye pouvoir. Parce que si yon accepte Donald Trump, malgré Donald Trump li condamné, malgré Donald Trump li inculpé, Donald Trump privé retourne président États-Unis encore, parce que peuple a voté, le peuple a choisi, le parent est qui est possible. Et en vérité, compatriotes haïtiens frères et sœurs, jouge élection qu'a fait en Haïti, bagay la pral mauvais, pral gen gros bataille en Haïti, oui. Et gen l'autre moun, ouais, par exemple, Guy Philippe, gen l'autre moun là qui kavin avec même discours là. Gen moun qui en bas sanction là, si yo décide, yo a pour retourner al poser candidature dans élection qu'a fait en dedans pays. Seul bagay qui ka empêcher son vote moral, oui, pour dire ah, telle catégorie moun pa nan yo. Parce que yon impliqué dans les armes, yon impliqué dans craser pays, yon impliqué dans corruption. Principe c'est qui s'allie, de pour pas condamner, constitution dit de pour pas condamner à des peines affectives, infamantes, etc., etc. Ou ka président, ka sénateur, ka député, ka magistrat, etc., etc. Faut pas condamner, oui. Allez, ou y a juste aux États-Unis, pas soi-disant démocratie. Un président, un nèg qui était ancien président, condamné et puis le retourner président. Donc, qui ça yon ka vin di moun la roune ya? Bon, comme nous connaissons tout, c'est yon qui choisit qui est-ce qui a met président. C'est yon qui détermine qui est-ce qui va ka président. Donc, tout est possible en Haïti. Et en nouveau, on finit dans l'intervention sénateur Guy Philippe. Là. Et encore une fois, c'est un gros bagay pour montrer à Haïtien que c'est nous Haïtien pour sauver Haïti. Mm-hmm. C'est pas les États-Unis qui a sauvé le bonheur. Ah, c'est pas l'autre monde qui a sauvé le bonheur. Là où nous peur qu'on s'arrête, parce que on président changer dans le pays, nous peur retourner à la caille, c'est parce que la caille nous pas de travail pour vivre bon. C'est parce que le gouvernement, nous sommes équipe volée, son équipe chape. C'est nous-mêmes haïtiens, quel que soit à côté nous, pour nous mettre ensemble, pour nous réfléchir comment nous avons fait Haïti vivre tout le bon côté, pour même les États-Unis, un président mondial, pour ne pas obliger à paniquer. On fait la caille nous bon. On travaille pour Haïti vivre bon. On met fin à des ordres et à des rives. Qui est-ce qui est capable de mener des négociations, qui est capable de discuter avec Blanc? Nous toujours en panne de leaders en Haïti. Mm-hmm. Et nous voyons ça qui a passé là avec le conseil présidentiel, ça qui a parlé de là, premier ministre Gary Koni. Mais est-ce que là, 4 ans Donald Trump, là, nous avons dit qu'il y a des gens qui sont là sur le terrain ou même de l'autre monde qui est dans l'équipe, nous avons profité de ça pour faire une diplomatie éclairée? Premièrement, ça nous a pour nous faire c'est prendre le pouvoir, retirer les gens à côté où il y a là. Il n'y a pas de place là. La blague Haïti non trouve chaque jour plus mal. C'est pour nous même Haïti nous mettre tête ensemble pour nous retirer mon ça là. Il est pas capable de décider, il pas normal pour son équipe voler que OK mais pas moi dire non, il c'est deal tout le monde deal, si voler qu'a prendre décision pour Haïti. Il pas normal juste les monde qui tout des problèmes dans corruption que soit dans question voler cob et reconstruction Haïti ou bien voler cob et BNC pour c'est encore qu'a signer et qu'a prendre décision ça pour Haïti. Sécurité pays n'est pas capable dans ambassade. Je dis à ces ambassades américaines qui commandent en chef la police, c'est lui qui commande en chef l'armée, c'est lui qui commande en chef si monsieur Gézam dans la rue avec Timé Damio, c'est pas moi qui dis à de Yogdil, donc il est pour qu'on fait à bagay ça, pour mettre un fait à bagay ça. Et voilà, nous sommes tendés, ancien sénateur Guy Philippe, qui t'a posé problème pays, hein, et par rapport avec nouvelle administration ça qui prend le gain dans pays États-Unis, par rapport avec Donald Trump,
qui pral gen pour prendre renne. Donc qui ça haïtien ka attend, qui ça Haïti ka attend et de administration républicaine là. Malcolm est son vidéo, on va le partager l'ensemble avec nous. Et vidéo ça c'est une occasion encore nous gagner pour nous ouais des séries de bagailles qui qu'on a passé sous administration démocratio et l'homme de ça démocratio très certainement ouais le haïtien dit au pas parler dans ces collier avec démocratio on comprend pour qui raison on comprend pour qui raison parce que moun Clinton ça yo tellement près yo tellement proche Haïti yo tellement fait ingérence en Haïti donc depuis démocratio yo gen pouvoir c'est démocratio qui là automatiquement yo gen tan nan one set là yo gen tan sous table discussion yo gen tan sous table négociation et yo fait ingérence sans plus facile yo fait ingérence sans plus bien et gen yon vidéo m pral partager l'ensemble avec nous nous pral comprendre nous pral wè et que véritablement nous pas ka continuer à mettre espoir nous à fonder espoir pour reconstruction pays pour développement pays pour stabilité pays pour sécurité pays et sous bonne grâce États-Unis ou bien n'importe l'autre pays il te caillé en 2010 est-ce qu'on rappelle ou qui est administration qui est équipe qui était dans tête Maison Blanche en 2010 c'était administration Obama. En 2010, en Haïti, t'es gagné gros goudou goudou, tremblement de terre passé, Haïti dévasté, pile moun mouri, Haïti à genoux, pour le presse crasé plat, pour pas qu'être l'autre département, etc., etc. Tout le monde l'a mobilisé, moun tout partout mobilisé pour aider Haïti et recamper, pour aider peuple haïtien, lever en bas gros coussin à nous prendre. C'est 2 milliards de dollars américains qui étaient disponibles, qui étaient parés pour développement Haïti, pour reconstruction Haïti. Et à l'époque, tu as foncé IRH, tu as mis campé, tu as mis CIRH campé, c'est CIRH qui t'a pas gagné pour gérer fonds ça. Et là, nous parlons de CIRH, automatiquement, pas oublier, nous tous parlons de Premier ministre là. Nous tous parlons de Gary Conny, parce qu'à l'époque, Gary Conny lui-même, li te gen mot pal pou le di tout parce que Gary Conny était dans do Clinton yo, Gary Conny li t'a brassé et nan foncé IRH, Gary Conny te gen mot pal pou le di. Eh bien compatriotes haïtiens frères chèm, le démocrate yo te voye après tremblement de terre là, nous wè te gen militaire américain qui était sous sol là. Après tremblement de terre, nous wè et avion te commencé à venir distribuer paquet aide. En pile moun te commencé à recevoir aide, yo te commencé à distribuer sinistre, jan moun yo kon di bagay la. Eh bien, tout bagay sa yo t'ap bay la, compatriote haïtien frè chèm. Ou pral saisi tande, comment l'argent sa depuis en l'air, administration et Obama, depuis di Obama ou démocratie encore. Ou pral saisi tande comment yo te gagote l'argent reconstruction pays ya. Et l'offin tande l, m'pral gon commentaire pour me faire qui est extrêmement important parce que jodi on veut nous comprendre c'est pas une question de démocrate ou de républicain mais plutôt son question de Haïti qui ça nous voulait faire le pays à qui est-ce nous ca faire coopération à qui est-ce nous ca gain partenariat véritable côté que c'est gagnant gagnant côté que pays d'Haïti a ca joindre intérêt par tout c'est ça qui est important déjà on nous regarder ensemble avec moi. Et vidéo aussi là. 2 ans seulement après le séisme, le magazine américain Counterpunch a découvert que le bénéficiaire principal de l'argent octroyé par les États-Unis, par exemple, après le tremblement de terre, s'est révélé être le gouvernement des États-Unis lui-même. Sur chaque dollar qu'il prétend donner à Haïti, les Américains gardent 33 centimes pour le coût de l'envoi des troupes militaires dépêchées en Haïti. Puis, ils prennent encore 42 centimes qui vont servir à des ONG publiques et privées comme Save the Children, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et l'Organisation panaméricaine de la santé. Il ne reste plus que 25 centimes sur 1 dollar et là encore, ces 25 centimes seront partagés avec d'autres acteurs. À la fin, Haïti devrait obtenir à peine 1% de la somme.
Donc, la totalité de l'aide américaine pour la reconstruction d'Haïti, c'est-à-dire 1,6 milliard de dollars, a été dépensée de la manière suivante. Ils disent donner 1,6 milliard de dollars, mais 655 millions vont servir à rembourser le département de la défense américain pour l'envoi des soldats en Haïti. Ensuite, ils donnent 220 millions au département de la santé et des services à la personne aux États-Unis pour aider, disent-ils, des réfugiés haïtiens se trouvant sur le sol américain. Où est donc le lien avec le séisme? La somme initiale est déjà amputée de plus de 800 millions. Et c'est pas fini, puisque 350 millions sont affectés à l'USAID et 150 millions sont partis au département de l'agriculture américain, au motif de sa participation à l'aide alimentaire d'urgence. Et c'est pas fini. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis va bénéficier de 15 millions pour couvrir des frais d'immigration, etc., etc. Donc, sur les 1,6 milliard, il reste à peu près 300 petits millions. Vous voyez, presque tout l'argent censé aider à reconstruire Haïti n'est jamais sorti des États-Unis. Était-ce une opération de communication? Une infime partie du... Voilà. Voilà, compatriotes haïtiens, frères. Mais je crois que nous tendez... Jean yo dispatché, Jean yo séparé, Jean yo gaboté l'argent et pour reconstruction Haïti après 12 janvier 2010. Et en 2010, m'a rappelé nous encore c'était démocratie qui était gain pouvoir, c'était Obama qui était gain pouvoir. Mais ça voulait nous comprendre. Quel était démocrate, quel était républicain, yo a toujours font façon pour principal bénéficiaire là, c'est toujours eux même. Non un point 4 ou bien 5 milliards de dollars, nous tendez c'est seulement près de 300 millions qui étaient pour Haïti. Puisque yon te déployé troupes, yon touché l'argent pour transport. Puisque yon te voye aide, yon te voye aide humanitaire, yon te voye kit en Haïti, ba y manje, ba y premier soin, depuis yon lè yon touché l. Parce que c'est pas cadeau. Ou te ka dite tout, non situation difficile, on paye écrasé, on paye à genoux, tout le monde sa yo mouri, tout le monde sa yo et kayo écrasé, etc. Ou te ka di, c'est cadeau yo fait nous, tout bagay nous te ka vini, ou te ka maintenant tout c'est cadeau. Et bien depuis en l'air touché l. Yo ba outi kit yo, yo ba plusieurs millions de dollars avec secteur agriculture dans pays États-Unis. Département d'État américain li intervenu, yo voye militaire, yo voye soldat en Haïti, etc. Vine de moun. Yo touché l'argent pour lui. Yo voye service et premier soin, équipe premier soin, yo touché l'argent pour lui. Pas rien fait cadeau. Et là, vous voulez nous comprendre, c'est pas une question seulement c'est démocrate qui était sous pouvoir qui fait l'argent gagoter comme ça, non? L'état c'était républicain qui était sous pouvoir, le ça, yo tap toujours dispatché parce que intérêt à c'est intérêt pays avant tout. Yo a toujours cherché une façon comme ça, tout ça yo a bail en retour faut que bénéficie en bagarre là-dedans. Yo t'ap toujours assuré yo que kob la au final li rete nan peyi yo, li rete la kayo pou yo jere problème yo. Bagay yo pa janm gen fè kado. M vle nou met sa nan tèt nou. Nan zafè relation peyi ak peyi, pa gen fè kado son question de intérêt m'ap jere. Son question de ki sa ka bon pou peyi m, ki sa ka bon pou population m, ki sa ka bon pou pèp mwen et puis that's it. Yo fini. On a assez nous pour connait qui est n'a metté en face yo pour négocier avec yo, qui est n'a metté en face yo kakembe yo tête pour discuter, qui est n'a metté en face yo ka défendre intérêt Haïti, tout bon intérêt peuple haïtien, tout bon. Et puis pour nous connait tout bagarre a fait dans tranquillité, coopération yo a fait normal, partenariat yo a fait normal et puis on avance. Mais depuis c'est nèg sa yo nous quitter ces étrangers, c'est ambassade qui a imposé nous. C'est CARICOM qui a choisi pour nous. C'est OEA qui a choisi pour nous. C'est Nations Unies qui a imposé. C'est l'ambassade américaine qui a déterminé ça qui est bon pour nous. A toujours même coup de bâton. Oui? A toujours gagné même coup de bâton, compatriote haïtien frère. Nous gagnons le moine Bono, professeur le moine Bono, qui fait une intervention extrêmement importante. Et ça l'a parlé là, yo, nous pourrons le comprendre. Nous, nous tout à reprocher ancien président Jean-Bertrand Aristide
qui m'a ressuscité à États-Unis crasé la main. Depuis les Aristide finotonni avec patron lui yo crasé la main. La main d'Haïti tout m'a dit chonné, oui. C'est pas ni une ni deux ni trois tentatives qui fait pour yo remettre la main campé. Nous pral saisi tande qui ça motive yo, oui, compatriote Haïti c'est vrai. Non, États-Unis, États-Unis pas jouer non. Et ceci m'a dit nous. M'a rappelé nous, c'est pas une question de parti qui prend tête États-Unis non, mais c'est plutôt États-Unis en tant que pays, c'est intérêt avant toute bagaille. On nous attendait ensemble avec moi intervention professeur Lemoine Bono qui a ba nous ensemble de détails. On allait. Niveau de méchanceté moun sa yo comparativement avec pays a. Est-ce que c'est pas ta plus bonne occasion que nous avons devant nous là Lemoine Bono? Pour une fois pour toutes, me déposer Islam même question ça hier m'a proposé lui. Pour génération ça qui là cap grandi là. Ta gen loi de Saline qui danse dans tête yo pour nous couper fâché à moun ça. On pas dit c'est couper fâché, ça pral. Non mais yo faut passer trop misère. Non, pas obligé couper fâché. Parce que n'a prêté dans géopolitique là. On pas aucun problème. Et quand bon Mexique l'homme du coup est fâché avec eux. Gain de relation pas développer avec. Non, non, affaire quand comme d'a dit pour ambassadeur américain mais gouvernement américain a imposé au tout par une opposition, c'est blague ti gaou. C'est blague le gaou. Comme et c'est ça qui fait que yo toujours présent dans élection nous pour yo faciliter que des esclaves rivent au pouvoir. Chulio. Et ça ça tout ça au dit le faire fait. Alors, ouais, et c'est ça qu'il faut te mettre Ariel Henry. Qu'on y a, il mette Gary Conning. Pour tout ça, on le faire pour le faire. Ni conseil présidentiel là tout. Parce que c'est Gary Conning. Eh bien, on garde un petit exercice par rapport à la question posée. En 1996, René Préval arrivé au pouvoir. Arrivé au pouvoir, il a lancé la réforme agraire. Réforme agraire, c'est remettre terre en valeur et puis pour faire une meilleure distribution et pour relancer la production. Pour relancer, tout le monde content. Au moins, nous allons retourner à la production parce que nous sommes passés près de 86, Jean-Claude Allais, à 96. Nous fait 10 ans, production tapée de tomber et tout ça nous fait, nous commençons à rentrer dans l'importation des biens et services, en pile importation. Ça nous besoin aux États-Unis et en République dominicaine, tout le monde content. René Préval fin lancer et programme ça, tout le monde content. Après un an et demi, au battant des côtés réforme agraire passé. États-Unis dit Préval, n'a pas tout son besoin, n'a pas d'eau. Mais nous pas faire réforme agraire. N'a pas d'eau. Déposer ça. Non, ça. N'a importé du. N'a importé du, oui. Et puis Préval même parce comme, que votre peuple haïtien réduit à du riz seulement. Du riz. Voilà. Et puis qu'on y a là, et René Préval accepter de camper sous réforme agraire, de camper sous lui, de pas continuer, de camper sous lui. Sauf dans une zone où il y a un litige, il pointe à mais Jean programme dans te concevoir, pour te faire, c'est une relance totale de l'agriculture. Monsieur fait bad-bad. Di bad ba, Aristide pas retourne en 2001, Aristide pas jam nan faire agriculture, a fait garder agriculture. Aristide pas ramballer de bay. Ben, mon pied banane, Aristide pas fait planter. Mon tout. Mon pied banane, a dit Aristide pas nan faire agriculture, pas jam pas ça. Li pas réfléchir à ça, c'est René Préval qui t'intéresse à l'agriculture. Et maintenant, René Préval pas retourne au pouvoir encore. Bon, cette fois-ci, deuxième mandat, li pas même parler d'agriculture même. Maintenant, depuis lors, États-Unis sont-ils dans le bol, parce que Haïti a niveau de vie Haïti commence à baisser. Et puis, nous continuons qu'on est à l'importation à une plus grave. Et puis, il pourra avoir un deuxième marché pour côté de la République dominicaine qui pourra profiter de ça et pourra le produire pour les deux pays. La République dominicaine a produit pour les Dominicains et l'a produit pour les Haïtiens. Et qu'on y a tout ça le produit, parce que les tarifs douaniers ont baissé à 3%, 4%, eh bien, les gains intérêts qu'on y a, depuis Fernandez monté au pouvoir,
La ville dit non, nous allons lancer nous dans la production pour nous conquérir marché ça. Et non seulement pour du agricole, et tout notre produit que nous avons fait nous renoncer, la ville pour le voyer. Voilà, pays a pour le dépendant totalement en matière de production de biens. Et puis, c'est la République dominicaine et les États-Unis. Et même agro-industrie, que nous avons avance sur certains pays de la zone, nous allons tomber, nous ne pouvons pas tomber, nous ne pouvons pas faire agro-industrie encore. Nous allons faire l'aide. Donc, en pile barre, pas de tomate, tout le monde va tomber. Voilà, qui peut mener nous, koto où nous arrivons là, bafon là, nous arrivons là, c'est document de Paris, c'est le coup d'état contre Aristide, c'est tout ça qui mène nous là. Et il y a un monde qui est coupable, qui mène nous tout ça, les États-Unis. C'est les États-Unis qui sont responsables de situation misère, grand goût, chômage, dans tout ça que nous sommes là. Avec ceux qui nous ont dirigés aussi. Parce que je ne peux pas retirer, je ne peux pas dire États-Unis seulement, non. Les États-Unis et ceux qui nous ont dirigés. Parce que l'homme dirige un pays. Ou t'es élu pour changer conditions de vie pays. Comment qu'arrêter que États-Unis ne pas fait tel bagage pour décider pas faire. Est-ce que on faut ti camper là avant nous avancer que l'autre bagage qui pral dit toujours mais je voulais attirer attention nous on grain bagage m'tap dit tout au long émission m'a dit là c'est pas en question et qui est ce qui a dirigé qui administration c'est en question des États-Unis c'est en question de pays qui a dirigé et hier m'tap suivre intervention Kamala Harris. Ça prouve mon l'autre fois encore, moun yo se pays yo a fait. Kamala Harris, premier bagay li dou, li reconnaît défaite li. Parce que yo non démocratie, li reconnaît victoire Donald Trump. Yo pa non monarchie, yo pa non dictature. Gen alternance démocratique, gen alternance politique, y a avancé. Et yo paré pour yo travailler avec républicain yo, que ce soit au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des représentants, pour intérêt pays yo, pour yo ka gen yo États-Unis unifié, pour yo ka gon pays qui uni. Bon, qu'est-ce que ça pour moun yo do encore là? N'importe décision qu'a prend, c'est peuple américain yo avant tout bagay. Yo pa wè la France, yo pa wè l'Espagne, yo pa wè République Dominicaine, yo pa wè Portugal, yo pa wè la Chine, etc. Non? Yo wè peuple yo qui avantage ka pote pour pays yo qui avantage ka pote pour la caillou yo et puis quitter le marché. Donc c'est ça on veut nous comprendre et c'est ça que fait nous supposons gen moun qui gen colonne vertébrale qui ka camper pour négocier avec moun sa yo. Si nous pa gen moun a caractère camper pour négocier avec yo, n'a toujours là Haiti a toujours là, n'a pas font pas quitter en Panago parce que c'est les États-Unis avant tout, c'est intérêt yo avant toute bagaille, c'est pas en question de l'autre pays mais c'est yo avant toute bagaille. Bien, on avance. Décidez pas faire. Est-ce que c'est pas parce que les États-Unis t'ont trouvé Jovenel Moïse en enfant rebelle? Ah oui, il était un petit peu enfant rebelle. Oui. Et c'est ça fait, m'toujours dit, quoi m'dil, ou pas condition état Jovenel Moïse mourit. Ah ben, États-Unis pas innocent. M'dil, États-Unis pas innocent. Ou est-ce qu'ils ont décidé de faire procès? Ils ont vu nous prendre 8, 6 inculpés là. Et puis ils ont passé avec eux, pas de temps avec eux, pas de temps avec eux. De quel droit? De quel droit? Pour être venu ici? Parce que Ariel Henry, tout ça, États-Unis voulaient le faire. Non, parce que Jovenel Moïse, dans la production nationale là, les patates de la Power, ils voulaient aller. Ah oui, ils voulaient aller. Ouais, que matériel, que le débarqué, l'autre bois, commencer à faire route agricole, commencer à faire curage dans une série de canal agricole, nettoyer et démonter. Entrant, commencer à planter du riz en série de bagages. Ça aussi, c'est des bagages qui sont visibles que les Haïtiens ne peuvent pas parler. Visible. Mais malheureusement, dans l'époque-là, il y a une machination politique qui a montré que la production nationale, ce n'est pas un bon bagage pour le pays. Et ça, yo, c'est deux politiciens qui ont même toujours et au service de l'Occident. Toujours jeune ça. Il n'y a pas fait retrait sous remobilisation de l'armée d'Haïti. C'est comme si Mdadjo, le mois, nous avons un petit tour à Kayo, on dit, comment ça s'est passé? Moi, Pavlo, monter bicyclette ça. Et puis, ça, il dit, papa, bicyclette là, il est en bon état, il est en condition pour monter le map, monter le. Ou quitter l'allée. En deuxième fois, il prend une machine, il dit, papa, machine est bon. Et puis là, qu'on y a. Et on ne peut pas être comme monde qui sanctionnait là, non? Mm-hmm. Ou faire ballon sanction. Jovenel Moïse, c'est ton enfant rebelle.
C'est un enfant rebelle. Il rebelle pas. Par exemple, lorsque tu viens sur la mer, faut nous font tirer aller pour mon cap côté émission. Parce que pas oublier, le René Préval retourné au pouvoir en 2006. Environ près de six mois après le fin de arriver au pouvoir, il forme une commission pour la réhabilitation de l'armée. Et puis, la commission commence à travailler. La commission a été gagnée là-dedans. Il y a deux anciens militaires regardés de l'armée. Il y a des experts. Et puis, la commission a travaillé. L'ambassadeur américain a dit qu'il a demandé une audience à elle. Et puis, il recevait, il dit que. États-Unis a bon tout coûte mais possible. États-Unis a fait dos avec la police, n'a pas renforcé la police là, pour une police beaucoup plus professionnelle, et même j'ai avec Costa Rica en police militaire. Mais nous pas n'en fait l'armée. Et puis Préval dit ah bon. Et puis Préval coûter les camps et commission. Maintenant le Préval garder en 2009-2010 et Préval rencontre un groupe d'hommes qui dit Préval président. Dans tout pays, de pouvoir faire face à des guérillas urbaines, ou pas une autre solution, c'est l'armée. L'armée qui a stabilité. Préval font deuxième commission pour l'armée. Commission, ça commence à travailler correctement. Et puis, gouvernement américain dit Préval, nous pas dans l'armée. Nous te dis ça déjà, nous pas dans l'armée. Nous pas d'eau, mais nous pas dans l'armée. Préval crase commission encore deuxième. Ça veut dire que, est-ce que Mounsa a été doué président d'Haïti? Allez, c'est là pour haïtien commencer à comprendre. Oui. Type 2 moun y a voté comme président. Oui. Cap prend dictat nan main président États-Unis ou bien un ambassadeur, cap dit ou pas fait tel bagarre puis accepté. Eh ben c'est moun ça nous vote encore prochainement. Eh ben nous fait carré dans tintin. Oui. Et ou pas jeune encore, yo pour lutter de toute force pour créer conditions pour Michel Martelly qui arrive au pouvoir en 2011. De fait Michel Martelly arrive au pouvoir. Le Michel Martelly arrive au pouvoir, il fait même Jean Préval, il met en commission sous pied. Ambassadeur américain dit président Martelly, n'a aidé, n'a fait tout sauver, n'a tout soutien à bord, mais a fait l'armée à nous pendant la mer. Alors, la forme nous demande, mais pourquoi ça, États-Unis, pas vouloir l'armée? Eh bien, il est clair, oui. L'armée, c'est la stabilité. Mm-hmm. L'armée, c'est le contrôle total du pays. Eh bien, États-Unis, pas vrai que Haïti stable. C'est clair. C'est clair. Il pas vrai Préval faire, il pas vrai Martelly faire. Jovenel vient faire, il dit Jovenel dit non président, ambassadeur. Ou pas gagne l'armée la caillou. Ça il l'ambassadeur mais au contraire Jovenel lui. Jovenel dit ambassadeur, ou pas gagne l'armée la caillou. Il dit oui, nous avons une armée. Il dit la République dominicaine pas gagne l'armée, il dit oui. Et pour qui ça Haïti pas de gagne l'armée? Il dit, bon, nous-mêmes, dans la politique panneau par rapport à Haïti, nous voulons soutenir la police nationale, mais nous pas pour l'armée, il y a de mauvais souvenirs de l'armée. Et puis, Jovenel dit, mais en pile, l'autre pays qui a de mauvais souvenirs de l'armée. Mais aucun de l'armée. Exactement. Égal par conséquent, moi-même, m'a fait l'armée. Il dit, en tout cas, l'insel nous pas financer. Jovenel dit, je ne vais pas demander pour financer l'armée pour moi. C'est ça que Jovenel dit, ambassadeur américain. Il dit, nous ne pas demander pour financer l'armée pour nous. L'armée a financé à partir du trésor public. Après, l'armée montée. Et je dis à Chine, il y a 2300 militaires. C'est grâce à Jovenel Moïse. Ouais, si le bandit est allé pour prendre un pot là, si il pas de l'armée, il a pris un pot là. Oui. Mm-hmm. Il a pris un pot là. Oui. Chien, et ça va dire ouais, chaque fois, officiel américain ou bien l'ONU, il n'y a pas parlé de l'armée. Il dit la police. Parce que c'est les États-Unis qui a piloté. Ça, les États-Unis disent nous pas dans l'armée eux-mêmes. Est-ce que, d'après vous-même, le moine Bono, pas qu'il y ait moyen de changer le mode diplomatie que nous avons développé avec certains pays, par exemple les États-Unis d'Amérique? Nous n'avons pas développé aucune diplomatie, non. Chaque fois, mon ministre va être revenu, le Chita, le nommé Moun. Mais il y a ce qu'on appelle la politique étrangère. Faut développer une politique étrangère ou dire mes positions par rapport aux États-Unis, mes positions par rapport à la République dominicaine, ou j'entends un gouvernement monté qui définit une politique par rapport à la République dominicaine. C'est ça, me l'ai dit. Ah, mais moi, je ne définis rien, non. Il va me définir, c'est-à-dire États-Unis, il fait ça, il dit, comme on comprend, alors que le président ou l'ambassadeur américain t'a prédé toute la vie, jusqu'à ce que le camp il dit, et il parle à toute gang, yo. Mais pas qu'il ouais. Non, mais. Mais au moins, un exécutif. Même s'ils sont en conseil présidentiel, mais au moins, là.
qui est exécutif. Ah bon, ça nous est là. C'est pété. Exécutif qui a bataille pour poste ministériel seulement, qui n'a conflit. Oui. Mais c'est au clair. Pendant ce temps, population continue à vivre dans la même non, misère. Non, misère, ça ne pas dire rien, mais c'est au clair. C'est au clair. C'est ça grave là. Alors, comment comprendre pour qui ça, États-Unis, pas vouloir l'armée? Alors, il faut me dire nous clair, oui. États-Unis, pas vouloir l'armée parce que si il y a l'armée, pas qu'à gagner force de maintien de la paix encore. Or, force de maintien de la paix, depuis le rivet dans le pays, premier ça a fait, il a séparé les âmes dans la bidonville côté que pas de gagner la guerre. Pour la guerre continuer et pour dépendant de forces multinationales. Voilà la raison fondamentale que les États-Unis ne veulent pas l'armée. Maintenant, si vous avez l'armée, quand y a nous gagne l'armée ça là comme conseil présidentiel son il est monté CARICOM qui c'est timoun américain et puis il dit de pour accepter dans conseil là faut accepter force multinationale force ça vini mais c'est parce que on pas qu'a dit conseil là craser l'armée que fait on pas dit ça oui c'est dit on pas qu'a dit ça oui sous j'aime ça tu as fait lui mais c'est ça on t'a pas dit oh ça États-Unis besoin pour force de maintien de la paix, ça, ouais, les civils ont demandé, écrit l'ONU demandé pour vous en force de maintien de la paix. Pour transformer mission en force de maintien de la paix. Depuis force de maintien de la paix, là, la paix arrive jusqu'à 2030. Et depuis qu'il vient en 2028, il a bloqué l'armée, il a dit, pas faire recrutement l'armée encore, jusqu'à ce que il a demandé, vienne un programme pour payer les militaires. C'est ça, il y a dans la tête. Et puis pour éliminer l'armée en net. Et puis, les sables ont force de maintien de la paix qui est venu. Haïti a continuellement dépendu de force de maintien de la paix. C'est ça, États-Unis, besoin de faire. Ça veut dire, pour nous-mêmes qui sommes ici, qui vivons dans le pays, nous ne sommes pas intelligents. Nous ne comprenons rien. Oui, c'est imbécile, nous, toutes ces voix qui nous gagnent. Nous ne pas intelligents. Alors, c'est pas ça seulement, non? Nous ne comprenons pas le chemin ça que les gens qui dirigent nous avec. Ils veulent braver nous. Patron, yo. Apprend avec nous, c'est chemin pour continuer la guerre dans notre troupe irède. Ça veut dire, population, pour qu'on conscient de ça toujours? Malbo, je pense que sécurité a tout haïtien, mais sécurité. Mais là où son homme d'affaires qui est mesiste, mais c'est sécurité encore. Non seulement besoin de sécurité pour la caillou, ou bien sécurité pour business. Ou bien c'est une délégation d'hommes d'affaires haïtiens qui t'a écrit William Mouton qui m'a dit pour faire force Savini. Au lieu de jouer dans l'armée pour dire qui besoin nous, n'a pas contribué pour acheter deux chars, pour acheter chars d'assaut, pour acheter deux hélicoptères de combat, c'est William Outé qui a écrit. Je nage dans les autres troubles. Tout le pays ça. Même si États-Unis boulent Haïti, ça va pas dire rien. Et c'est... n'a pas rappelé nous, président Jovenel Moïse, te dit, oligarque compte pas bon ici, tout plaisir, c'est instabilité, pour faire comme la pi bien sans contrôle. Le ça, il pas payé l'État. Le ça, l'État pas gen pour toucher nan men yo, parce que je nage dans les eaux troubles. Les bagay yo paraît pi fè noir, les bagay yo paraît pi difficile, c'est les ça yo fè contrebande yo, c'est les ça yo fè marché noir yo, c'est les ça yo joui plus avantage toujours sous dos peuple haïtien. Nous comme non, peuple a commencé avec clair, professeur Bono, nous commencé avec clair, nous commencé avec clair. Li évident que population commence avec clair, c'est ça qui fait moun yo soif révolution, yo soif pour écraser système ça. Ah oui. États-Unis quand États-Unis gagne droit sur Haïti, li gagne doit faire salver parmi lesquels les hommes d'affaires haïtiens. Mhm. Tout ça. Les hommes d'affaires haïtiens, quel que soit ça États-Unis fait 50 coup gagne droit, États-Unis écraser 91 usines que te gagne. L'écraser tout les usines. États-Unis va caser le pour contre lui. L'écraser avec les dirigeants haïtiens. Non, nous d'accord. Ou j'aime dans nos hommes d'affaires. Hommes d'affaires, t'as une usine pour parler, oui. Il y a une usine qui a fait manteque, qui a fait l'huile. Mais depuis ces États-Unis, caser, c'est qu'il y a un droit ça. C'est ça qui vient nous en Haïti, là, oui. Ça, tu conseilles de monde dans le pays, ça. Tout autant que nous quittons ces cap décider pour nous. Eh bien, le pays, ça, c'est dans tout la tombe, pire. C'est dans tout, nous ne pouvons jamais lever. Et puis, États-Unis, c'est gardé son pays qui pour bailler. Voyez le sinistre qui Bali. Aide humanitaire, c'est ça nous besoin. Et puis, mettons un petit programme. Même pour, Trump vini, Trump pas dans le programme ça. Trump s'est fermé, pas fait le programme ça. S'est fermé, la femelle, pour pas dans le programme immigrant.
Il va dans ça. Et voilà, nous s'entendons, professeur Lemoine Bono, qui t'a dit tout ça pour le dire, de l'élection qui fait dans le pays États-Unis. Conséquences ça a gagné sur Haïti, conséquences États-Unis et conséquences politiques extérieures américaines ont gagné sur Haïti depuis un bon bout de temps. Et usine nous qui crase au profit des États-Unis, usine de production nous, un pays qui en lambeau, moun yo mette, ingérence, j'en ap tout pizi nous, tout ça arrive fait parce que nous avons des conseils, nous avons des apatrides, nous avons des machines pays, nous avons des tchouls, nous avons des escamotés qui là, qui ont fait travail international. L'île li temps pour Haïti joindre mon colonne vertébrale la caractère ka camper pour défendre intérêt qui ka camper pour défendre intérêt pays a qui ka camper pour parler dans nos peuple haïtien qui ka camper gênanger pour discuter ça ka bon pour Haïti et m'a dit nous là encore c'est pas en question de républicain ou de démocrate. Oui c'est vrai dans administration démocrate il y a plus ingérence, ingérence sans li plus palpable nous bagay yo plus parce que il y a relation directe, il y a relation étroite entre Moon Clinton avec des oligarques corrompus, avec des gens dans le secteur politique. Mais ça ne peut pas changer quoi que ce soit véritablement. Parce que ça qui est important pour les États-Unis, ça qui est important pour les leaders, leaders mondiaux, planétaires, grandes puissances, c'est toujours tout petit, tout petit. Prends ça, capran, pour payer, pour peuple, pour intérêt la caillou. Donc c'est nous qui connaissons. Comment nous parler pour nous construire la caille, comment nous voulons faire la caille, comment nous voulons défendre l'intérêt de la caille, et puis pour nous dire avec vous. Ok? Nous pas qu'à vivre en autant aussi, nous pas qu'à arrêter pourquoi nous, parce que le monde là, il y a perpétuel et avancement, il y a perpétuel et mouvement, etc. Ces relations et bilatérales, multilatérales, etc. Ces relations de groupe, nous pas qu'à arrêter, nous pas qu'à isoler nous, non. Mais pendant nous pas qu'à isoler nous, nous avons des gens qui défendent nous tout. Faut que nous gagne monde qui ca parler pour nous, faut que nous gagne monde qui ca camper pour nous. Nous pas gagne, nous pas gagne non. Et c'est pas Samuel là tout qui est dans pouvoir cap gérer l'état. OK? Compatriotes ici frères et sœurs, nous faire le tour de tout ça nous gagne pour nous aujourd'hui hein. Et c'est un véritable plaisir pour nous te poter détails là pour information ça pour rester connecté à channel là. Rendez-vous à casser dans une autre vidéo d'information. Merci tout le monde. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où remet pays, et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures de chez Chanel Paul là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le fait débat, c'est toujours même.